C'est une première mondiale, un pas est franchi pour la médecine équine. Fini la contrainte du tapis roulant, les examens respiratoires peuvent désormais s'effectuer pendant l'entraînement du cheval de course grâce aux vidéo-endoscopes portables. Il y a 6 ans, on a décidé de se spécialiser que sur le marché vétérinaire. Pourquoi ? Parce que les besoins des vétérinaires sont de plus en plus spécifiques et qui, comme la technique et les techniques de chirurgie se développent, ils ont besoin de types de diagnostics de plus en plus adaptés à leur profession. L'endoscopie est un examen vétérinaire permettant, grâce à une caméra placée dans le larynx, d'examiner les voies respiratoires. C'est une équipe de la clinique du cheval de Toulouse qui a beaucoup contribué à l'élaboration de l'appareil. Une unité qui va être fixée sur le dos du cavalier, qui contient toute l'électronique et un module d'enregistrement de la vidéo et de transmission du signal. Transmission qui va s'effectuer vers un récepteur qui contient un écran. Le dernier élément est une fibre insérée par les naseaux et fixée sur la bride. Grâce à ce système, les chevaux sont testés dans les conditions réelles d'entraînement. Le diagnostic gagne alors en précision. N'importe quel cheval de course peut être équipé du vidéo-endoscope portable. Pour les trotteurs, l'appareil se fixe sur les brancards. Il fait déjà des émules chez nos voisins. Donc les gens qui ont investi dans cet appareil-là en Angleterre aujourd'hui ont fait des séries très importantes. Hein. Des gens en Écosse ont réalisé plus de 400 examens chez par exemple Mark Johnston, qui est un entraîneur en Irlande. Pareil, il y en a eu 300 de faits. Certains entraîneurs anglais d'ailleurs ont prévu d'effectuer cet examen sur les poulains de 2 ans avant de les mettre à l'entraînement. La médecine vétérinaire équine affiche ici une nouvelle fois son intention de concevoir des appareils adaptés aux chevaux pour une meilleure efficacité.